à tous, c'est Nicolas, votre artisan électricien préféré. Alors aujourd'hui, on est sur un de mes chantiers chez une de mes clientes, dans mon village d'ailleurs, à Brûlé-Marchienne. Donc, je suis artisan électricien. J'ai créé ma société il y a maintenant un an, en septembre 2019. L'activité se porte très bien. Donc, je propose de la rénovation et du neuf, donc en électricité générale, mais également, je me suis spécialisé dans tout ce qui est solutions connectées. J'ai décidé de me lancer, de m'installer à mon propre compte parce que j'avais envie d'être mon propre patron. Mais aussi, j'avais envie de me lancer un petit défi avant mes 40 ans. Et bien sûr, je voulais avoir ce qu'on appelle la liberté de choix, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre. Donc quand j'ai décidé de m'installer, je me suis en premier lieu tourné vers ma banque personnelle, qui était le Crédit Agricole, qui m'ont donc orienté vers un conseiller pro, Swad Hischer, qui m'a conseillé de participer à ce qu'on appelait à l'époque les cafés de la création. Donc c'était un endroit où tout le monde se réunissait, d'où les initiatives, des comptables, la chambre des métiers, etc. J'ai donc rencontré Aurélie Romanowski, qui a été ma conseillère donc, auprès de d'où les initiatives, qui m'a aidé dans le montage de mon dossier de prévenaire, et qui m'a aussi aidé à préparer le comité d'entretien pour présenter mon projet. On avait même fait une petite répétition avant, qui s'est très bien passée. Donc j'ai gardé exactement la même ligne de conduite pour le jour J de l'entretien, et ça s'est très bien passé. J'ai eu le droit à la somme de 5000 euros. Cette somme-là, je l'ai investie donc une partie dans tout ce qui est outillage et puis un petit peu dans le matériel, et également dans un besoin en fonds de roulement pour démarrer l'activité.